Voici par ordre d'apparition les personnages de cette petite histoire. Ce sont des joueurs de poker qui se réunissent ce soir, comme chaque jeudi, chez mon maître le banquier. Peut-être est-ce par goût du pittoresque, ou par avarice, qu'il aime à accueillir ses hôtes dans les caves de son immense demeure. Le voilà. Il gagne beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le sien qu'il risque dans ses parties, c'est celui de ses clients. Il a beaucoup de chance au jeu, mais vous connaissez le dicton. Heureux au jeu, malheureux en amour. Le deuxième est son neveu et travaille pour lui. Il est plus mesuré, à la fois dans son jeu et dans son caractère. De nature très taciturne, il se languit d'hériter de son oncle. Et il semble que cela fait 10 siècles qu'il attend son heure comme une vieille gargouille. Le troisième, c'est le notaire de mon maître. Il s'occupe de ses affaires juridiques et se fait plaisir de temps à autre au jeu. Surtout parce qu'il connaît la propension du banquier à jouer avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Il se réjouit à l'idée qu'un jour mon maître s'endettera jusqu'au cou à son profit. Le quatrième de ces messieurs est le commissaire de notre bonne cité. Il ferme les yeux sur de tels endroits interlopes en échange d'une place à table et s'en trouve fort aise. Comme le neveu perd toujours pour plaire à son oncle, le commissaire et le notaire se trouvent être de ce fait les seuls à jouer contre le banquier. En ce qui concerne la femme de mon maître, il faudra attendre un peu. Mais nous la retrouvons plus tard, c'est promis. Quant à moi, mon rôle se borne à jouer celui de serviteur auprès du banquier. À mon propos, rien à relever selon mon maître. C'est vrai que sur lui, il y a tant à dire. Ainsi, chaque jeudi, j'attends qu'il me congédie, car dès que la partie commence, je m'éclipse pour d'autres jeux. Vous savez que nous avons tous nos plaisirs interdits. Alors, sans plus tarder, lançons la partie. Vous resterez ici avec nous ce soir. Il y a cette petite surprise dont je voudrais que vous vous occupiez. Oui, monsieur, comme monsieur voudra. Mais pour madame? Allez lui dire que j'ai besoin de vous. Qu'elle se passera de vos services, pour une fois. Bien, monsieur. Vous avez fait sauter la banque? Puis-je me permettre de vous demander le contenu de cette boîte? C'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ma femme m'a gentiment préparé un gâteau de ses doigts délicats. Je me réjouis d'y goûter. Certainement pas. Il n'est pas question que je partage avec quiconque mon gâteau. Ah, vraiment? Alors pourquoi toutes ces assiettes? J'ai changé d'avis. Merci, mon oncle. Vous voyez comme ce petit est bien élevé? Et merde! Belle partie. Vous voulez en rester là? Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et votre petite surprise? Mon gâteau d'anniversaire. Bon, d'accord. De toute façon, je n'ai plus rien à fêter. Bonne idée. Jouez-le. Vous savez ce qu'on dit, mon cher? Que l'appétit vient en mangeant. Combien? Pour 4 parts. Je propose 1000 la part. Vous n'en voulez pas? Si, bien sûr. Alors, ça fait 5 parts. Avec vous. Bien, bien. D'accord. Va pour 5 000, donc. C'est bientôt fini, ce hockey? Vous voyez bien qu'il n'y peut rien. Eh bien, qu'il s'en aille! Fous-lui la paix, c'est pas sa faute si tu perds. Ah! Vous me tutoyez maintenant, et en plus vous prenez sa défense! Eh bien, si c'est comme ça... Je crois bien que votre oncle n'aime pas perdre. Asseyez-vous donc, et venez déguster ce sympathique trophée en notre compagnie. Une part. Qu'en fait-on? N'y touchons pas. C'est la fameuse part du pauvre. Du pauvre banquier. Ah.
Mon pauvre amour. Tu ne méritais pas ça. Je te jure que je te vengerai. Je lui ferai la peau à ce salaud.